Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Antoine. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode des Mecha News et on est parti. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Abonnez-vous pour ne rater aucune des actualités tous les 15 jours, je vous le rappelle. Et également tous les essais de Nicolas sur la chaîne YouTube. Cette semaine, on a eu droit aux présentations notamment des BMW X3 et série 1 nouvelle génération. Alors, le programme aujourd'hui. J'ai pris mes notes parce que sinon je vais oublier. Alors. Ah oui. Au programme aujourd'hui, on va parler de la toute nouvelle Audi A5. La série 1 a encore été aperçue en version camouflage. BMW annonce et présente son nouveau X3. Esteban Ocon déménage pour aller s'installer dans l'écurie Haas. Haas, je sais pas comment faut dire. Macron change de véhicule pour le Renault Rafale. Donald Trump remet en cause la production de véhicules électriques et l'importation de véhicules aux États-Unis. Ensuite, on va se consacrer sur les week-ends à cibler et justement à éviter pour ses vacances, les trajets, l'essence, etc. Ensuite, on poursuivra sur la fin du trio légendaire de présentateurs de Top Gear UK. Et pour finir, on parlera de l'abandon du W12 chez Bentley. Audi présente une toute nouvelle version de sa Audi A5 après 3 ans sans réelle nouveauté. On a eu le Q6 Citron, on a eu du restylage du côté de la A3, de la Q7, mais rien d'incroyable. Cette année, la marque Ozano revient avec la nouvelle génération de l'Audi A5. On a vu que depuis l'année dernière, Audi a annoncé vouloir refonder sa gamme. On aura désormais tout ce qui nous repère, à savoir Audi A4, Audi A6, etc., va devenir électrique quand les impairs resteront thermiques. C'est pour ça que cette A5, qui est donc thermique, reprend un petit peu les codes stylistiques de l'ancienne A4. Donc ce nouveau modèle inaugure la nouvelle plateforme PPC. Sur son design, vous pouvez voir apparaître des lignes de toit fuyantes, comme toujours sur la A5. Également plus de rondeur, notamment sur la face avant. La face arrière est peut-être légèrement plus agressive, surtout sur la version A5. La calandre devient donc plus large, les optiques plus fins et ils sont personnalisables avec plusieurs signatures lumineuses que vous pourrez régler dans les paramètres directement dans le véhicule. Un vrai bandeau lumineux apparaît maintenant à l'arrière. Il vient joindre maintenant les deux feux arrière en passant sur le coffre qui remplace l'ancienne malle et c'est donc maintenant un meilleur accès à l'espace de chargement facilité par cette ouverture avec la vitre qui part avec. D'ailleurs, ce coffre s'échelonne entre 417 et 448 litres sur la version berline ou break. C'est un petit peu en dessous de ce qu'il y avait précédemment sur la A5 et c'est aussi légèrement moins que ce qu'il y a chez les concurrents BMW et Mercedes. À l'intérieur, tout a été revu de A à Z, clairement. On a une nouvelle instrumentation numérique, des nouvelles dalles, même une option pour un troisième écran côté passager, à la Taycan un petit peu. On aura aussi un système multimédia bien plus élaboré avec la possibilité d'installer grand nombre d'applications pour répondre à tous les besoins au quotidien. Après, bien sûr, si vous souhaitez simplement utiliser pour l'Apple CarPlay Android Auto, c'est tout à fait possible et c'est simplifié, mais l'écran est quand même plus grand qu'avant. Parlons un petit peu des moteurs que cette nouvelle Audi propose. Donc on a 3 essences, 2 de 2 litres TFSI de 150 et 204 chevaux et le troisième qui est un V6 3 litres de 367 chevaux dédié à la S5 et qui est celui-ci micro-hybride. Et on aura aussi un diesel de 204 chevaux qui lui aussi est micro-hybridé et cette micro-hybridation elle n'est pas là pour rien, elle permet de baisser le malus à seulement 230 €, qui est assez réduit quand même un diesel de nos jours, surtout sur un gros modèle comme ça, grosse berline. Semaine dernière, je me promenais tranquillement sur autoroute, qu'est-ce que je croise? Il y a un modèle camouflé de la toute nouvelle BMW série 1. Pourtant celle-ci a été annoncée il y a plus d'un mois aujourd'hui. On reconnaît sur les photos qu'il s'agit bien de la version M135 avec les 4 pots d'échappement. On a aussi les freins à disque bleu. Donc on voit vraiment que c'est la version M135. Par contre, pourquoi est-ce qu'elle est encore camouflée? Peut-être qu'ils sont en train d'élaborer une version encore plus radicale, qui c'est une version M1, ça serait? À voir, affaire à suivre. Dis-moi ce que toi tu penses de ces photos en commentaire. Est-ce que tu as peut-être une idée de ce que ça peut être? BMW annonce et dévoile le tout nouveau X3 de 4e génération. Celui-ci dévoile donc un petit peu la nouvelle orientation stylistique de BMW avec un côté très épuré, très lisse, mais en même temps très brut avec ses designs tranchants, ses flancs qui sont très droits avec les poignées incrustées. Donc on est bien sûr un design massif et lisse, une signature lumineuse en L maintenant, donc une nouvelle proposition de BMW qui, j'ai l'impression, est en train de se chercher visiblement. Sur les dimensions, ce SUV grandit un tout petit peu, il passe à 4,76 m en longueur et une hauteur de 1,66 m. Cela profite au coffre qui est de 460 litres sur la version PHEV et voire même 570 litres sur les versions thermiques. À l'intérieur, c'est intéressant, on a une intégration du curve display, le design est plus épuré, on voit plus une orientation sur le tactile plutôt que sur les boutons. On a encore la molette, heureusement on a encore la molette BMW, on se rassure. Maintenant, voilà, on a plus de boutons tactiles, le plus grand nombre d'interactions se feront quand même avec le grand écran central. On regarde les moteurs un petit peu, donc en essence on en aura deux.
On aura, dans tous les cas, hein, tous les moteurs que je vais vous dire, ce sont des 4 roues motrices, donc X-Drive. Les deux essences sont micro-hybridées, donc on a du 208 et du 398 chevaux. Donc ça, c'est plus pour la version M50. On aura un diesel, pareil en X-Drive, qui fera lui-même 197 chevaux. Et une version hybride rechargeable, pour l'instant, pareil en 4 roues motrices, qui fera 299 chevaux. Par contre, les tarifs, là, ça rigole pas. On est à partir de 63 900 euros. Comment ça fait, hein, pour un BMW X3, on se rapproche des X5 d'il y a quelques années. Hein. Et les livraisons commenceront courant novembre, fin d'année. Esteban Ocon signe chez Haas. Bon, on s'en doutait depuis quelques semaines, c'était pas officiel, mais là, ça y est, c'est tombé, c'est officiel. Le pilote de 27 ans, ayant participé à 146 départs en F1, au volant de Manor Racing, Force India, Renault et Alpine, c'est désormais donc au volant de l'écurie Haas que le pilote va démarrer la prochaine saison de F1, aux côtés d'Oliver Berman. Ça y est, c'est officiel. Depuis le 14 juillet dernier, la toute nouvelle voiture présidentielle n'est plus une DS, n'est plus du groupe Stellantis, il s'agit bien de la toute nouvelle Renault Rafale. C'est donc la fin pour la DS7 présidentielle bleue nuit qu'on connaissait, maintenant place à Renault qui rentre à l'Elysée. Par contre, la version présidentielle, ça claque, hein. C'est plus la même. Hein. Là, on n'est pas sur un bleu alpine ou je sais pas quoi. Hein. Là, on est sur le bleu nuit, le bleu foncé présidentiel. On a des drapeaux sur l'aile droite, sur la calandre, on voit le drapeau bleu, blanc, rouge. Et on a même des jantes spécifiques de 20 pouces. Bien sûr, on s'en doute, le véhicule présidentiel, lui, est blindé, contrairement au Rafale classique, et il sera aussi doté de pneus run flat. Enfin, on s'en doute, ça paraît très logique. The end of voiture électrique. Je dis ça parce qu'il y a deux semaines de cela, je vous avais parlé d'une nouvelle restriction que l'Europe avait mis en place pour équilibrer la concurrence et éviter que trop de constructeurs qui produisent à l'étranger, notamment en Chine, puissent arriver en Europe et vendre leurs véhicules moins cher que les productions européennes. Donc ça, c'était des nouveaux droits de douane. Eh bien, Trump, aux États-Unis, veut faire la même chose. Pour sauver l'industrie automobile américaine, il va décider de mettre des nouveaux droits de douane à l'entrée du pays pour limiter l'importation et favoriser la production locale. Ça peut se comprendre. Mais en plus de ça, le candidat aux prochaines élections américaines veut aussi stopper la promotion des véhicules électriques aux États-Unis. Car selon lui, les véhicules électriques sont une arnaque, ont des coûts élevés, notamment pour l'achat, et ensuite, ils ont une autonomie très faible. Donc effectivement, ce sont les deux points qui sont critiqués souvent pour les voitures électriques. Oh non, shit! On verra donc dans les semaines et mois qui arrivent comment des constructeurs comme Tesla, bien implantés aux États-Unis et notamment Elon Musk, vont réagir à ce genre de déclaration. Affaire à suivre. C'est d'ailleurs souvent le débat, est-ce que les voitures électriques sont ou pas une bonne chose? Dis-moi en commentaire si tu penses que la démarche de Donald Trump est finalement une bonne chose ou pas. Est-ce que selon toi on devrait rester sur du thermique, l'hybride rechargeable? Dis-moi tout ça. Je serais intéressé de voir vos avis dans les commentaires. Ensuite, on va parler un petit peu de circulation, de vacances, de chasse et croisée, etc., etc. C'est tous les ans le même problème, mais là, j'ai des informations à vous donner que vous devriez noter. Je vais vous parler des affluences sur les autoroutes, mais également du plein d'essence à faire et à quelle date. Concernant l'affluence, vous vous en doutez, tout ce qui est chasse et croisée, tout ce qui est week-end, donc à savoir le 3 août et le 17 août, qui sont tous les deux des samedis, Bison Futé annonce noir sur les routes. Donc à la descente pour le premier, à la remontée pour l'autre, et c'est d'ailleurs plutôt dans le nord de la France pour le 17 août que ça risque de bouchonner grave, donc faites attention. Partez très tôt le matin, partez plus le soir, partez le dimanche, partez le vendredi, partez pas le samedi, c'est tout ce qu'il faut faire. Mais également lors de ces week-ends, Leclerc a annoncé que les tarifs de l'essence seront à prix coûtant, ils ne margeront pas de bénéfices pendant ces week-ends là, donc le vendredi, le samedi et le dimanche du 3 et 17 août, c'est là qu'il faudra faire le plein chez Leclerc. On verra bien comment les autres stations-service vont répondre à cette offensive. On sait déjà que Total maintient jusqu'à la fin de l'année au minimum le plafond à 1,99€ le litre. Affaire à suivre. Je vais vous parler de la fin d'un trio mythique. Jeremy Clarkson, Richard Hammond, James May. Vous les connaissez très bien, ces personnages. Ils sont devenus mythiques à travers les années. Cela fait plusieurs dizaines d'années maintenant qu'ils font les émissions. Et on a appris récemment que leur société qui les rassemblait tous les trois a été dissoute. On s'attend donc à un dernier épisode de The Grand Tour, filmé en novembre dernier, qui sera diffusé en fin d'année 2024. Et c'est le dernier rendez-vous pour les passionnés du trio légendaire anglais. Mais peut-être les retrouverons-nous de manière indépendante et individuelle, peut-être sur les réseaux sociaux ou Internet. C'est ce que je leur souhaite. C'est triste un peu cette séparation. Hein. C'était cool quand même, The Grand Tour. Là, à la fin, ils partaient en sucette, c'était cool quand même. Et pour finir, cet épisode des Mécaneuses, je vais vous parler d'un moteur mythique qui disparaît chez Bentley, le mythique W12. Donc après 105 000 productions de 2003, apparu sur un grand nombre de modèles et atteignant même à la fin 659 chevaux, c'est le moment de tourner la page pour Bentley, qui se dirige lui aussi vers une hybridation, voire une électrification complète. On sait également que la gamme entière de Bentley deviendra électrique d'ici 2033, et il faut s'attendre au premier modèle 100% électrique en 2026. Certes, on gagne en puissance en perdant ce moteur parce qu'il va être remplacé par le V8 biturbo, qui a la suite sera déclinée en version PHEV, donc hybride rechargeable, mais on perd quand même un bruit magique et une noblesse hors du commun qui faisait la petite signature finale sur les Bentley.
Merci à tous d'avoir suivi les actualités jusqu'au bout. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous à la chaîne YouTube. On est 130 000, on vise les 150 000 avant la fin de l'été. Je compte sur vous, hein. Bon, l'ambition n'a jamais tué personne, c'est pour ça que faut y aller un petit peu. Et likez la vidéo également, partagez-la, profitez de l'été, faites-vous plaisir et on se revoit dans 15 jours. Allez, bonne journée.